Captive en tant que telle ne propose pas de service. Hein. Mm-hmm. Captive, c'est juste une association qui sert à regrouper des professionnels du logiciel libre. Donc les adhérents, eux, vont avoir des compétences diverses et variées. Donc, on va trouver beaucoup d'intégrateurs, ce sont donc des sociétés spécialisées dans la mise en place, le paramétrage, la configuration, l'accompagnement, la formation à des logiciels libres. On va aussi retrouver des éditeurs, donc qui, eux, vont être véritablement à l'origine de certains logiciels, bon, à vocation professionnelle essentiellement. Et puis on va avoir aussi des organismes de formation dont la seule spécialité est véritablement l'accompagnement à l'utilisateur dans l'usage et l'appropriation des logiciels libres. Les entreprises de Cap Libre et d'Alliance Libre ont vocation à couvrir toute la chaîne des compétences dont on a besoin pour la mise en place et l'utilisation de logiciels libres. Là, on est à Nantes. On peut supposer que tout le monde connaît déjà Alliance Libre, qui est donc le cluster nantais des professionnels du logiciel libre. Donc, Cap Libre étant à Rennes, le pendant d'Alliance Libre à Nantes, avec une vocation à couvrir donc la partie Bretagne, un peu nord de la France, en termes de professionnels du logiciel libre, là où Alliance Libre couvre Nantes et puis un peu plus la partie sud. On déborde un petit peu, on a déjà eu des membres aussi en Basse-Normandie où là, il n'y a pas de cluster particulier en Normandie, où là on va retrouver des sociétés soit rattachées à la région parisienne pour plutôt on va dire la Haute-Normandie et puis la Basse-Normandie qui peut aussi bien se rattacher dans une notion de Grand Ouest en fait. Elle va en progressant. Toujours de plus en plus, c'est-à-dire que là où on peut encore considérer qu'il y a 5-6 ans, voire un peu moins, un responsable informatique se posait la question est-ce que pour un choix de logiciel, je mets du libre dans ma shortlist pour essayer d'imaginer quelle sera la meilleure solution. Là, on est passé plutôt sur une démarche où le libre est mis systématiquement à pied d'égalité avec les autres logiciels, où on va vraiment évaluer les qualités et les défauts de chacun des logiciels de manière absolument équitable pour faire les meilleurs choix dans l'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose qui est devenu assez général dans les entreprises qui possèdent un service informatique parce que les responsables informatiques sont suffisamment sensibilisés. Par contre, dans le domaine des PME, où il n'y a pas de démarche particulière et systématique d'aller faire de la veille sur les logiciels existants, là par contre, le logiciel libre, étant donné la force commerciale moindre par rapport au logiciel propriétaire, est peut-être un peu moins connu. Donc on y travaille de manière à ce que ce logiciel soit aussi reconnu par les sociétés de plus petite taille. Ça fait partie de notre vocation pédagogique en tant qu'intégrateur du logiciel libre d'expliquer les avantages qui vont avec ce type de logiciel et en particulier l'ouverture au code et la possibilité de modifier, de redistribuer le code qu'on a modifié. C'est pas ce que la société vient chercher immédiatement, parce qu'elle n'y voit pas de gains immédiats en général. Ce qui transparaît bien entendu, c'est dans l'immense majorité des cas la gratuité du logiciel en tant que tel, en entier, ou au moins pour une partie, si éventuellement il y a des compléments de modules sous licence commerciale, mais au moins la gratuité du logiciel de base, c'est essentiellement ça qui est vu au départ. Les avantages qui vont avec l'ouverture du code viennent par la suite. Et ces avantages, on va les retrouver notamment en termes de personnalisation possible du logiciel, puisque à partir du moment où on accède au code, on a complète liberté de personnaliser le logiciel pour en faire véritablement ce qu'on veut. C'est là où la société qui ne connaît pas en fait les avantages du logiciel libre va les découvrir en cours de projet et véritablement se les approprier. Alors typiquement, moi je travaille dans le domaine des ERP. Alors les ERP sont les logiciels de gestion intégrée. ERP, ça propose quoi comme service pour... Alors un ERP, ça a vocation à couvrir un peu tous les services de l'entreprise. Donc au minimum, la gestion commerciale, les achats, la gestion de stock, la comptabilité, éventuellement les RH, la gestion de projet, bon, d'autres modules complémentaires. Donc on n'est pas sur un logiciel qui a des fonctionnalités figées, mais un logiciel qui doit être... modifié, personnalisé aux besoins de chaque entreprise. Aux demandes de l'entreprise. C'est ça l'idée. Donc là où on avait des logiciels disparates
auparavant et que maintenant on peut avoir de manière intégrée. La différence de l'ERP, on va le retrouver essentiellement dans le fait qu'il va falloir le paramétrer pour que cette succession de tâches qui font partie d'un processus donné dans l'entreprise corresponde bien au modèle dont on a besoin. Ça doit être suffisamment paramétrable, et si jamais on sort véritablement du standard du logiciel, ce qui arrive très souvent dans ce genre de projet, on doit être en mesure quand même de continuer le sur-mesure au-delà de ce qui a été prévu par le logiciel initialement. Et là, on commence à faire du développement complémentaire. On peut ajouter des fonctionnements différents, on peut aussi ajouter des fonctionnalités qui n'existent pas parce qu'on est sur des secteurs d'activité où par exemple aucun logiciel sur étagère va exister, donc on va personnaliser. La société en tant que demandeuse d'une fonctionnalité, peu importe pour elle si ça relève du logiciel en standard, du paramétrage prévu par l'éditeur du logiciel, ou alors si on va développer du code. Ce qui compte au final, c'est que la demande qu'on ait une réponse à la demande. Et peu importe finalement le moyen d'y arriver. C'est nous, en tant qu'intégrateurs logiciels, qui avons cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, puisque en accédant directement au code, on a la liberté donc de modifier le logiciel à souhait pour pouvoir rendre quelque chose parfaitement compatible avec la demande d'origine. On a la chance d'avoir en France un écosystème très dynamique au niveau du logiciel libre, et puis il est à peu près uniformément réparti sur la globalité du territoire. Donc Cap Libre à Rennes, Alliance Libre à Nantes et tous les autres clusters régionaux ont vocation à regrouper tous les professionnels qui ont besoin de cette visibilité, de se regrouper pour pouvoir être mieux connus de la part des entreprises et d'autres types d'organisations du secteur public aussi. Et toutes ces associations sont regroupées au sein du CNLL, qui est l'instance nationale qui les regroupe et qui est le porte-parole du logiciel libre au niveau national.